Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de DJ Wizard, je suis super content de vous retrouver. Je me lance un nouveau défi, un nouveau challenge, tout le temps je suis en train de me lancer des challenges. Parce que vous savez que quand je fais du RMX, je suis très souvent assis devant mon ordinateur. Donc là on est lundi matin, j'ai pas réalisé mes 10 000 pas. Alors j'ai décidé pendant les 15 prochains jours, quoi qu'il arrive, de réaliser les 10 000 pas. Le défi consiste à réaliser, quoi qu'il arrive, tous les jours, 10 000 pas. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Chaque jour, je vais me préparer selon les conditions météo. Alors, aujourd'hui, il ne pleut pas. En revanche, les gants, le cache-cou. Vous savez pourquoi? Il fait super froid aujourd'hui, moins 1 degré. Dans le contexte actuel, je vais respecter les 10 km. Tous les jours, je vais essayer de filmer quelque chose et de vous partager des images. À la fin de la semaine, je vais faire un vlog condensé avec le maximum d'images. Ah oui, un petit pouce. Yes. Alors de temps en temps, pour m'encourager, mettez-moi des pouces, lâchez des petits commentaires et partagez les vidéos au maximum. Comme promis, petite balade. Je vais essayer de faire 10 000 pas aujourd'hui. C'est parti. Alors je peux vous dire que je suis équipé. Alors, j'ai les gants. En fait, c'est des gants de ski. J'ai un petit gilet en dessous, une écharpe polaire. Donc l'objectif, c'est de descendre un petit peu sur les berges, d'aller faire une petite promenade, une petite balade. Il fait beau, il fait froid. Alors tout au bout là-bas, on a le Grand Palais et le Petit Palais. Et là, on a le pont d'Alexandre III. Alors, il y a un restaurant que je vous recommande un jour. C'est le Flow en fait. Et je vous recommande de manger ici. C'est un semi-gastronomique, il est super bon. Alors il y a vraiment un truc bizarre parce que je vois des gens qui font leur jogging, ça c'est bien, super. En revanche, je ne sais pas comment on peut faire de la course à pied avec un masque sur le visage. Je ne sais vraiment pas du tout comment on peut faire ça. Alors le masque, ça me casse les noisettes. Il est tout le temps en train de descendre. Il faut tout le temps le réajuster en fait. C'est pas facile du tout. Alors en revanche, on a un super lever de soleil aujourd'hui, il fait super beau. On a un super panorama. Alors je vais vous faire visiter un petit peu. Donc là on a la Concorde ici, la Seine. Là on a le Petit Palais. Non, le Petit Palais il est juste là, le Grand Palais, le pont d'Alexandre III et la Tour Eiffel là. Donc ici c'est le pont de la Concorde ici en fait. Là c'est le pont de la Concorde ici. Donc là je suis plutôt content parce que en même temps ça me permet de me poser un petit peu, de sortir de la maison. Je vais me poser ici pendant un petit moment, faire une petite séance de méditation. Parce que le cadre est fantastique, donc je vais en profiter un peu. Derrière moi, on voit l'Assemblée nationale. Alors, je peux vous dire, il fait super froid. J'ai froid aux mains. Et heureusement que j'ai pris mes gants de ski. Alors, le fait d'être sorti un petit peu devant les ordinateurs, là, tout ça, du monde connecté. Ah, on aperçoit la Tour Eiffel, ça y est. On aperçoit la Tour Eiffel derrière. Alors en temps normal, il y a beaucoup de péniches. Alors il y en a une derrière là-bas et une ici. Alors une péniche ici et une autre derrière. Pour là-bas, ce sont les bateaux mouches. Je me suis beaucoup rapproché là pour l'instant. Et on voit bien que tous les bateaux mouches, ils sont amarrés à cause de la situation. Donc là, ça fait plus d'une heure que je me balade là. J'arrive dans la zone de bateaux mouches. Alors tous les bateaux mouches sont à l'arrêt.
Ah oui, un petit pouce. Yes. Alors de temps en temps, pour m'encourager, mettez-moi des pouces, lâchez des petits commentaires et partagez les vidéos au maximum.